Hey guys, bonne année. Je me suis rendu compte que j'ai pas sorti de vlog depuis un petit moment et ça me manquait. Donc voilà un petit résumé de ce que j'ai fait ces derniers jours. Pour commencer, j'ai rejoint mon amie Tiana qui faisait sa fête de Noël dans un strip club. Trop drôle, c'est vraiment Tiana, genre. Y'a que elle qui peut faire des parties de Noël dans un strip club. Genre la magie de Noël est où? Et tu fêtes ça toujours ici, tout l'été Noël? Des pénis, des chats. Joyeux Noël. Quelques jours plus tard, on avait une soirée de Noël entre amis. Et comme par hasard, Margot avait oublié ses cadeaux. Alors que moi, pas du tout. Mais Margot, on y va pour ça hein. Mais j'ai oublié. C'était quoi ton cadeau? T'es sûr que t'avais un cadeau? T'avais pas mais de cadeau? Mais oui, j'ai un cadeau pour Ryan, mais il est t'as chez pas de cadeau. T'arrêtes, toi t'as pas de cadeau. Si, moi j'ai un cadeau. Non, t'as pas de cadeau. Si, je te jure, j'ai un cadeau. T'as pas de cadeau. J'ai un cadeau, il est dans ma tête. Il est dans ma tête. Je te jure. Il va lui expliquer une connaissance qu'il a. Genre. Exact. Le cadeau de la connaissance. Tu vas lui apprendre un truc qui va jamais lui servir, genre. Je vais apprendre à faire du feu. J'ai aussi fait une découverte incroyable sur Margot. Margot, elle m'a avoué un truc qui s'était fait maintenant. Elle a un journal intime. Oui. Elle m'a avoué ça. Absolument. Alors déjà, mauvaise idée. À qui j'ai dit ça? Je lui ai raconté que j'avais un journal intime. Tu l'as dit à lui. Et après, je l'ai regardé dans le blanc des yeux. Je lui ai dit, bon, maintenant il va falloir que je trouve un cadenas pour ce Il va falloir que tu trouves un cadenas et un coffre fort pour me le mettre dedans parce qu'un cadenas ça non, se fait. Jamais je cuis ça. Non, ça interdit. Non, mais à partir du moment où je te dis quelque chose, ça veut pas dire que t'as le droit dessus. Ah ouais? Non. Ah c'est pour ça. mais tu mets quoi par exemple dedans? Tu mets des trucs intimes? Non mais c'est des trucs intimes à quel point? Tu mets par exemple quand t'as pété, tu mets dedans? Non. Oh, moi je le mettrais. Hein. Non, je t'envoie un message. Ah, moi j'écrirais. Ça, il serait déjà rempli en deux jours. Mais non. Tu l'as sur toi là ton journal intime Margot? Non. Tu l'as pas sur toi? Non. Dans ta poche intérieure? Pourquoi depuis tout à l'heure je vois que tu touches ta poche intérieure? C'est pas, je touche mes seins. Ah. Tu sais qui m'appelle en visio? C'est moi. Ouais Margot, t'as ton journal intime, il est où? C'est ma nouvelle quête. T'es partout. Il a pas fait exprès de t'appeler. Oh, on va l'écouter. Chut, chut. Attends, là t'es dans sa poche? Ouais. Tu penses qu'il est dans la rue? Laissez-moi sortir, je suis dans son manteau, je suis un enfant. J'ai rien fait, je suis enfermé dans son manteau. Et il est mort. Quelqu'un, aidez-moi. Je veux la taille d'une fourmi, mais en fait je suis un humain et je suis bloqué dans son manteau dans la poche intérieure. Parce que j'ai été rétréci par un pistolet laser. Je suis enfermé dans son manteau. Ça fait des jours que je suis dans cette cave. Maman. Il va m'envoyer, mais what the fuck. Attendez, il a envoyé un truc. Il y a quelques temps, Jeanne m'a partagé sa nouvelle passion. Si la coquille de l'escargot est légèrement fissurée, tu lui donnes une coquille d'œuf transparent. Il adore l'œuf? Non, il va manger le transparent, ça va lui donner les protéines nécessaires pour qu'il puisse reconstruire sa coquille. Par contre, si tu l'as écrasé l'escargot et que là, tu vois son corps à travers, même s'il continue d'avancer et tout, il va forcément mourir. Et il y a quoi en dessous la coquille? Bah, il y a juste son gluant quoi. C'est une limace. Oui, c'est juste une limace qui s'est mise dans une coquille d'escargot. Mais il l'a trouvé où la coquille d'escargot, la limace? Bah, il a grandi avec. T'en as écrasé combien? J'en ai écrasé plusieurs, mais en plus je voulais pas, j'ai pas fait exprès. Mais aussi je leur donne les tomates et ils sucent la tomate comme ça. Parce qu'ils adorent, c'est leur fruit préféré. Ah ouais? Ah oui, hein. Même s'ils dorment, oui, hein. ils hibernent, ils vont sortir juste pour la tomate. Ah, qu'est-ce qu'ils font dans leur coquille? Ils ont la télé, ils ont Netflix bah, ouais. J'en ai une qui mange du melon là. Tu vois sa petite bouche? C'est génial. Mais il a vraiment une petite bouche? Mais oui! Mais attends, on dirait c'est lui que je l'ai écrasé 3 jours plus tard. Il avait la même coquille, je viens de remarquer. Ah non, tu l'as nourri, logé et écrasé. Après avoir découvert la nouvelle passion de Jeanne, il était important de lui offrir un escargot géant pour Noël. Mais après plusieurs recherches, je me suis rendu compte que ça n'existait pas. J'ai donc demandé à sa mère de se déguiser en escargot et elle a accepté. Rien. Ça va, tu te sens bien? Jeanne? Mais vous ne bougiez pas moi, j'ai encore des trucs à faire. Je vais réaliser votre rêve aujourd'hui. Vous m'avez parlé de ça il y a longtemps. Mettez-lui un collant sur la tête. Attends, sur mes cartes. Je regarde pas, les gars, je regarde pas. Je jure sur la tête de ma mère. Ok. Venez. Mais je veux pas d'araignée. Non, tu vas me montrer une araignée. Trichez vraiment pas. Mais mets pas mes mains dans les araignées, Vincent. Putain, m'arrête. Ok, je jure si vous trichez. Pourquoi? Mets pas mes mains dans des araignées. Assieds-toi. Mais Vincent, mets pas des araignées sur moi. Assieds-toi totalement. Vincent, je te jure, je te donne 5 000 $ si tu ne mets pas les mains dans les araignées. Ah, bon, on annule. Écoute, Jeanne. J'ai peur, Vincent, je fais une crise cardiaque. Écoute-moi. Genre, faut pas trop que tu bouges, ok? Non, arrête, Vincent, s'il te plaît, Vincent, je vais vomir. S'il te plaît, Vincent, je vais vomir. T'es prête? Non, s'il te plaît, Vincent. T'es prête? Non, s'il te plaît. Ouvre les yeux. C'est ton animal préféré en géant. Oh, c'est génial, t'as trouvé ça. C'est un escargot géant. Putain, qu'est-ce que vous faites faire à ma pauvre mère?
Oh, ça suffit, c'est mon costume préféré. Oh, c'est génial. Je veux que quelqu'un s'habille comme ça chez moi tous les jours. Margot, regarde. Attends, Margot, arrête. Regarde, Margot. Ouvre. Non. Attends, Margot. Vas-y. Ouvre. Non, ouvre. Margot, ouvre, j'arrête pas d'appuyer. Ouvre, Margot. Mais Margot, ouvre. Ouvre cette porte, Margot. C'est sûr que c'est... Ouvre-la. Ouvre, Margot. Ça ne marche pas. Oh, attends, il y a sécurité enfant. Bonne. Oh, putain. Vous saviez depuis le début. Mais non, mais moi... Lui, il savait. Je savais, Margot. Margot, je savais. She said no.